Bonjour, notre sujet aujourd'hui est l'utilisation du miel pour le traitement de la sinusite. Traiter la sinusite. Utilisation du miel pour le traitement. Les sinus sont des cavités remplies d'air qui produisent du mucus pour protéger le passage nasal des toxines et des allergènes qui provoquent des infections virales. Et lorsque les tissus qui tapissent ces sinus deviennent enflammés ou gonflés en raison d'une infection virale telle que le rhume et la grippe, les polluants atmosphériques, le stress et un système immunitaire faible. Ce qui provoque la sécrétion de mucus qui provoque des poches et des douleurs faciales. Symptômes de gonflement de la sinusite, de maux de tête, de congestion nasale, de difficultés respiratoires et de pression, le miel est l'un des remèdes naturels les plus importants pouvant être utilisés pour traiter les symptômes de la sinusite. Et il existe de nombreuses façons d'utiliser le miel pour traiter les sinus, que nous apprendrons dans cet article. Avantages du miel pour traiter la sinusite. Le miel naturel est un antibactérien, antiviral et antiseptique qui aide à dégager les sinus et à prévenir les infections bactériennes. Le miel réduit l'inflammation. Le miel apaise la gorge et réduit la toux et la douleur. Certaines études indiquent que le miel est le traitement le plus efficace de la sinusite que les antibiotiques. Le miel renforce le système immunitaire pour lutter contre les bactéries responsables de la sinusite. Le miel tue les bactéries très résistantes aux antibiotiques. Utilisation du miel pour le traitement des infections des sinus. Le miel peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres ingrédients naturels qui combattent les infections virales. Choisir la méthode appropriée et le consommer par l'une des méthodes suivantes. 1. Miel et vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme soulage le nez et les sinus obstrués et tue les germes qui causent l'infection. Méthode 1. Faire bouillir une tasse d'eau et incorporer une cuillère à café de miel cru et 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Bien mélanger, puis retirer du feu et laisser refroidir à température ambiante. Buvez-le 3 fois par jour. Méthode 2. Faire bouillir 1/4 tasse de vinaigre de cidre de pomme avec 1/4 tasse d'eau dans une casserole. Ajoutez 1 cuillerée de miel et 1 cuillerée de piment et bien mélanger. Buvez-le régulièrement jusqu'à ce que vous vous débarrassiez des sinus. Alternativement, vous pouvez mélanger 2 cuillères à soupe de vinaigre, de jus de pomme et de jus d'orange avec 1 peu de graines de lin et de miel, et mettre ce mélange sur la salade, ce qui aidera à soulager les symptômes de la sinusite. 2. Miel à l'ail. L'ail est un antibiotique naturel qui tue les bactéries responsables de l'infection. Méthode. Prenez 3 à 6 gousses d'ail, pelez-les et broyez-les bien. Mélangez 1 à 2 cuillères à café de miel cru avec de l'ail. Prendre 5 minutes avant les repas. Ou mélangez 1 cuillère à café de miel avec 3 à 4 gousses d'ail écrasées et quelques gouttes d'huile d'olive et utilisez-la sur du pain ou des biscuits pour réduire la sinusite. 3. Miel et citron. Le citron contient de la vitamine C, qui renforce le système immunitaire et est un antimicrobien naturel. Méthode 1. Mélangez 1 cuillère à soupe de miel cru avec 2 cuillères à café de jus de citron frais. Chauffez le mélange et prenez-le pendant qu'il est chaud pour dégager le mucus et prévenir la sinusite. Méthode 2. Mélangez 1 cuillère à soupe de jus de citron frais et de miel avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans 1 tasse d'eau tiède. Remuez bien et buvez 3 fois par jour pour obtenir un soulagement de la sinusite. Vous pouvez ajouter 3 gousses d'ail au mélange. Méthode 3. Mélangez 1 cuillère à soupe de miel cru, de vinaigre de cidre de pomme, de jus de pomme et de jus de citron, avec 1 cuillère à café de gingembre frais râpé, 1 pincée de curcuma et de poivron rouge dans 1 demi-litre d'eau filtrée. Buvez-le pour vous débarrasser de la sinusite. Méthode 4. Ajoutez 2 cuillères à café de miel biologique à 1 tasse d'eau tiède. Bien mélanger et boire pour soulager la sinusite et ses symptômes. 4. Miel au gingembre. Le gingembre contient des huiles volatiles telles que le guérinol, l'ambroisie et d'autres composés efficaces qui éliminent l'excès de mucus pour soulager la congestion et le blocage du nez et des sinus. Méthode 1.
Faites bouillir une tasse d'eau avec une cuillère à café de racines de gingembre hachées. Laissez-le refroidir pendant 15 minutes. Filtrez et ajoutez une cuillère à soupe chacun de jus de citron fraisé de miel cru. Buvez-le deux fois par jour. Méthode 2. Faites bouillir une tasse d'eau. Ajoutez une cuillère à soupe de miel cru, un demi-cuillère à soupe de jus de citron, un à deux morceaux de gingembre frais râpé, une cuillère à café de poudre de curcuma, un demi-cuillère à café de cannelle moulue, un quart cuillère à café de poivre noir moulu et un peu de poudre de chili. Laissez-le pendant 10 minutes. Filtrez-le et buvez-le. 5. Miel aux graines de cumin. Les graines de cumin ont des propriétés qui aident à fluidifier l'excès de mucus et à réduire le gonflement. Méthode. Rôtir une cuillère à café de graines de cumin et les broyer en poudre. Mélangez la poudre de cumin avec une cuillère à café de miel cru. Prenez-le une fois par jour. 6. Miel à la cannelle. La cannelle contient de l'eugénol et du cinnamaldéhyde, qui détruisent les bactéries nocives et préviennent la sinusite. Méthode. Mélangez une cuillère à soupe de miel cru avec un quart cuillère à café de cannelle. Prenez-le quotidiennement pour nettoyer les sinus obstrués. 7. Miel de manouka. Il est largement utilisé pour avoir plus d'avantages pour la santé ainsi que tout autre type de miel. Méthode 1. Faites bouillir une tasse d'eau distillée et ajoutez une cuillère à café de miel de manouka et un quart cuillère à café de bicarbonate de soude et de sel de mer non iodée. Retirez du feu et versez dans un pot stérile avec un couvercle hermétique. Conservez-le au réfrigérateur et utilisez un compte-gouttes pour insérer 8 gouttes dans chaque narine une fois par jour. En outre, vous pouvez consommer une cuillère à café de miel de manouka chaque matin. Méthode 2. Mélangez un demi-cuillère à café de cannelle avec une cuillère à café de miel de manouka dans une tasse d'eau tiède. Buvez-le quotidiennement pour vous débarrasser de la sinusite. 8. Miel au piment. La capsaïcine dans le piment réduit l'enflure, la congestion et l'inflammation. Méthode. Mélangez 2 cuillères à soupe de miel cru avec une pincée de piment. Ajoutez-le à une tasse d'eau tiède et buvez-le. Répétez 2 fois par jour. 9. Miel avec saumure. Méthode. Mélangez le miel et le sel dans de l'eau tiède. Versez ce mélange dans un bol. Inclinez votre tête vers le bas et versez ce mélange dans une narine et vous devez obtenir ce mélange de l'autre narine. Assurez-vous de respirer par la bouche. 10. Miel au poivre noir. Le poivre soulage la congestion et la toux et fluidifie le mucus pour réduire la congestion. Méthode. Écrasez une cuillère à café de poivre noir et mélangez-la avec une cuillère à soupe de miel cru. Remuez le mélange dans une tasse d'eau bouillante. Laissez-le pendant 10 minutes. Pour un avantage supplémentaire, ajoutez du jus de citron et de gingembre. Buvez-le régulièrement tous les jours. 11. Miel, oignon et radis. Méthode. Éplucher 6 gousses d'ail. Prendre un oignon et 8 grains de radis. Dans un mixeur, mélangez l'ail, l'oignon et le radis avec du miel cru et du jus de citron frais. Conservez le mélange au réfrigérateur et prendre une cuillère à soupe par jour. Pour les enfants, donnez 2 cuillères à soupe de ce mélange par jour. 12. Miel aux feuilles de basilic. Le basilic aide à éliminer l'excès de mucus et soulage les maux de tête et la fatigue. Méthode. Broyez 12 feuilles de basilic frais pour faire une pâte. Mélangez la purée de basilic avec 2 cuillères à café de miel cru. Mangez une cuillerée chaque jour chaque matin. 13. Miel aux graines de fenugrec. Le fenugrec renforce le système immunitaire, réduit la sinusite. Méthode. Faites bouillir une tasse d'eau avec 2 cuillères à café de graines de fenugrec. Réduisez le feu et laissez-le ramollir jusqu'à ce que l'eau réduise à la moitié de son volume d'origine. Retirez-le du feu. Ajoutez une cuillère à café de miel cru et buvez-le. Buvez-le 3 fois par jour. 14. Miel aux amandes et raisins secs. Les amandes et les raisins secs contiennent de la vitamine E et des acides gras essentiels qui soulagent les symptômes de la sinusite. Méthode.
Faire tremper 7 grains d'amandes et 7 grains de raisins secs dans une demi-tasse d'eau pendant la nuit. Le matin, manger des amandes et des raisins secs à jeûne. Mélangez une cuillère à café de miel cru dans l'eau restante et buvez-la. Faites-le quotidiennement le matin. Conseils et avertissements. Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez les conseils suivants lorsque vous utilisez du miel pour traiter les infections des sinus. Utilisez toujours du miel brut et biologique, le miel des abeilles. Avec l'utilisation de traitements au miel, le traitement médical doit être complété et non remplacé pour obtenir les résultats souhaités. Le miel blanc ou le miel biologique peuvent interférer avec les bêta-bloquants, ces méthodes ne sont donc pas utilisées pour les personnes atteintes de maladies cardiaques ou de tuberculose. N'utilisez pas de remède au miel pour les infections des sinus si vous avez une allergie aux abeilles. Si vous êtes diabétique, vous devriez consulter un médecin avant de commencer une thérapie au miel. Pour réduire le risque d'allergies ou d'irritations, vous devez utiliser du miel produit dès que vous vivez. Ne buvez rien pendant 30 minutes après avoir consommé du miel d'abeille. Si les symptômes s'aggravent ou si vous avez de la fièvre, vous devez consulter votre médecin. Note sur le miel. Les utilisations du miel dans les médicaments remontent à près de 4000 ans, car le miel est mélangé à certaines herbes médicinales, ce qui augmente sa valeur médicinale, et est censé améliorer la vue, favoriser la perte de poids et traiter l'impuissance. Et le miel aide également à traiter les troubles des voies urinaires, diarrhée, asthme et nausée. Dans les temps anciens, les athlètes utilisaient le miel pour augmenter l'endurance, réduire la fatigue musculaire et augmenter les performances. Le miel est également connu pour aider à maintenir les niveaux de glycogène. Le miel aide à traiter les troubles tels que la gastro-entérite bactérienne et les ulcères. Le miel est une riche source de flavonoïdes et d'antioxydants qui aident à réduire le risque de maladies cardiaques et de certains types de cancers. Le fructose et le glucose contenus dans le miel aident le corps à réguler la glycémie. Le miel possède des propriétés antibactériennes et antifongiques en raison de la présence de l'enzyme qui produit le peroxyde d'hydrogène. Les traitements énumérés ci-dessus pour la sinusite fonctionnent mieux lorsqu'ils sont combinés avec une alimentation saine et une activité physique régulière. Traiter la rhinite allergique avec de l'huile d'olive. L'allergie nasale est l'une des choses ennuyeuses qu'une personne peut traverser. Par conséquent, la rhinite allergique doit être traitée avec de l'huile d'olive comme un moyen naturel d'aider à se débarrasser de la congestion nasale chez la personne affectée. Traiter la rhinite allergique. Avant de traiter la rhinite allergique, nous devons d'abord connaître les informations les plus importantes sur la rhinite allergique ou ce que l'on appelle la sinusite. Car le nez est considéré comme l'une des parties du système respiratoire et c'est l'organe responsable de l'entrée d'air dans toutes les parties du corps jusqu'à ce qu'il atteigne les poumons. Dans le nez, il y a des chambres remplies d'air à l'intérieur des os du visage et ces chambres sont appelées sinus. Les sinus sont bordés à l'intérieur d'une membrane muqueuse qui contribue à la sécrétion de mucus, et c'est souvent une lumière, toucher un fluide qui se déplace facilement dans la partie supérieure du nez. Mais lorsqu'une infection des sinus survient à la suite d'une infection bactérienne ou virale, ce mucus peut devenir collant en grande quantité, ce qui rend difficile son passage par les petites ouvertures du nez. Cela peut l'amener à s'accumuler dans les sinus et à bloquer les petits canaux de drainage, provoquant une douleur et une congestion dans le nez de l'intérieur. Dans cet article, nous vous montrerons la méthode de traitement de la rhinite allergique à l'huile d'olive, les causes et les symptômes de la rhinite allergique. Symptômes de la rhinite allergique. Certains symptômes peuvent apparaître chez le patient lorsqu'il souffre de rhinite allergique, et le plus important de ces symptômes. Sensation de pression douloureuse au niveau du front ainsi que sur les joues. Sensation de douleur dans les sinus de la mâchoire ou dans la région de la mâchoire supérieure, en plus des douleurs dentaires. Sensation de douleur derrière les yeux et dans la tête par le haut, ou ce que l'on appelle les sinus sphénoïdes. Les sécrétions muqueuses excessives sont de couleur foncée et ces sécrétions peuvent apparaître sous forme de grumeaux avec des expectorations. L'odeur de la bouche se transforme en une mauvaise odeur lorsque vous toussez. Une température élevée chez la personne affectée, fatiguée, épuisée et incapable de faire quoi que ce soit. Perte significative de l'odorat et du goût, de sorte que vous n'avez pas une capacité suffisante pour goûter les aliments. Il est à noter que vous pouvez faire certaines choses pour atténuer ces symptômes en inhalant de la vapeur d'eau ou en buvant de grandes quantités d'eau et de liquide.
En plus de vous baigner dans de l'eau chaude ou d'utiliser certains médicaments qui peuvent éliminer la congestion à un rythme élevé, cause de la rhinite allergique. Certaines choses importantes font partie des raisons les plus importantes qui conduisent une personne souffrant d'allergie au sinus, et les plus importantes sont les suivantes. L'exposition humaine à la vapeur, à la fumée et à de nombreuses poussières qui conduit à beaucoup de liquide dans le nez, ce qui entraîne un blocage des sinus. La présence de changements de température, en particulier au printemps et en automne, lorsque les conditions météorologiques changent en général. Sensation d'irritation dans la zone du nez à la suite d'un changement de température, comme être dans un endroit très froid puis aller dans un endroit très chaud, ce qui affecte le nez et entraîne une sensibilité. Traiter la rhinite allergique avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive est l'une des substances naturelles qui aide au traitement de nombreuses maladies dont le corps souffre en général car elle contient de nombreux éléments naturels bénéfiques pour le corps humain, et nous l'expliquerons plus en détail comme suit. L'huile d'olive est l'un des types d'huile très utile en cas de rhinite allergique ou de sinusite chez le patient. Car elle est considérée comme l'un des antibiotiques les plus importants contenant une grande quantité d'antioxydants qui aide à se débarrasser des bactéries et des virus qui peut infecter le corps humain dans une grande proportion. L'huile d'olive contient des flavonoïdes, du carotène, de la vitamine E et de la vitamine D, des acides oléiques, caféiques et palmitiques, ainsi que des composés d'hydroxytyrosol, d'oléropéine et d'oléocanthal. Comment utiliser l'huile d'olive pour traiter la rhinite allergique? L'utilisation de l'huile d'olive dans le traitement des allergies est naturellement l'une des bonnes choses que vous pouvez facilement faire à la maison en suivant les étapes suivantes. Mettre des gouttes d'huile d'olive pure dans le nez environ 3 fois par jour, ce qui aide à se débarrasser de la sécheresse du nez chez le patient car il agit comme un laxatif pour ouvrir les canaux fermés à l'intérieur du nez du patient. Vous pouvez également rincer le nez avec de l'huile d'olive de l'intérieur en utilisant des cure-oreilles. Vous pouvez également utiliser un rinçage avec un peu d'huile d'olive et vous pouvez le faire 3 fois par jour. En plus du traitement à l'huile d'olive, vous pouvez rincer à l'eau et au sel 3 fois par jour et vous pouvez compter sur cette méthode de traitement pendant seulement environ une semaine et les résultats du traitement apparaîtront dans les 2 jours suivant l'utilisation. Cette méthode est très utile pour se débarrasser de la congestion nasale et réduire les symptômes d'allergie au sinus en général. Conseils importants pour prévenir la rhinite. Il existe quelques conseils importants qui peuvent vous aider à réduire les symptômes des allergies et à traiter la rhinite allergique, dont les plus importants sont les suivants. Vous devez vous assurer d'une bonne hygiène et utiliser des lingettes stériles afin qu'elles ne soient pas exposées à la contamination. Évitez de fumer autant que possible, et si vous êtes un non-fumeur, éloignez-vous des personnes qui fument afin que vos symptômes n'augmentent pas. Vous devez vous nettoyer le nez avec de l'eau stérile ou pré-bouillie afin de ne pas être infecté par des bactéries. Boire une grande quantité d'eau est l'une des bonnes choses qui réduisent la sécheresse du nez et contribue à éliminer les mauvais symptômes. Se baigner dans l'eau chaude est l'une des bonnes choses qui aide à prévenir les symptômes d'allergies inconfortables. Merci de votre visite, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir les nouveautés.